Qu'est-ce qu'il y a? Le conseil est au courant, ils savent que c'est toi. Mais comment ça, ils savent que c'est moi? Il y avait personne. T'es sûr? T'en as pas parlé à quelqu'un d'autre? Non, j'en ai parlé qu'à toi. Y a que toi qui étais au courant. Monsieur Mayer Martin, domicilié au 2 bis, couloir 22 de l'étage 36 du BNSF, vous êtes en état d'arrestation pour avoir fait exploser le mur du 15e étage. Vous avez le droit de garder silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous. Vous savez combien de tonnes de CO2 ont été relâchées dans l'atmosphère pendant le ferratique? 750 ppm. Tout le monde sait ça, même un gamin de 3 ans. Et vous avez bien conscience de la fragilité du bunker et du nombre d'années qu'il faudra encore attendre avant de pouvoir remettre un pied dehors. Mais tout le monde sait qu'il y a un autre bunker dehors. Vous êtes prêt à parier à combien qu'il y a d'autres survivants dehors? Vraiment? C'est votre défense. Risquer la vie de tous les ouvriers, les ingénieurs, les médecins pour savoir s'il y a des survivants de l'autre côté? Mais vous l'avez dit vous-même, c'est bientôt fini ce bunker. Vous êtes juste en train de retarder l'inévitable. Vous avez le choix. On peut mourir ici et rien faire, ou on peut mourir dehors en essayant de remonter à la surface. Malheureusement, j'ai pas peur que ce soit pas aussi simple. Voyez-vous, une dénonciation, cette fois-ci anonyme, nous a été confiée. Il y a de cela quelques jours. Celle-ci comportait notamment des photos compromettantes. Confirmez bien qu'il s'agit de vous sur ces photos. Oui, mais c'est... Je ne sais pas ce qu'en pensent les membres du conseil, mais à mon sens, il est inévitable que c'est bien vous l'auteur de tous ces crimes envers l'environnement et ses habitants. Monsieur Mayer Martin, avant de rendre le verdict final, que plaidez-vous? Bon, bah on va plaider. Mais d'abord, j'aimerais juste être clair sur quel verdict on est en train de faire là. Le vôtre? Monsieur Beignet, avant qu'on soit réfugié sous terre, vous étiez à la tête du parti écologique, pas vrai? Vous faisiez de beaux discours, vous disiez aux gens de prendre leur vélo plutôt que la voiture pour la planète. Pourtant c'est marrant, on a tous oublié que la presse a fait fuiter des photos de vous au volant d'une voiture. En avril 2024. Madame Lagarde, vous avez arrêté de fumer 2 mois avant votre entrée en BNSF. Alors que c'était plus qu'urgent d'arrêter, et c'était déjà interdit. Monsieur Marsa, vous êtes devenu vegan en 2036? Alors que la viande était déjà interdite, on est d'accord? C'était rigoureusement interdit de manger de la viande à cette époque. Vous êtes vraiment très strict aujourd'hui, mais vous étiez où il y a 40 ans? Je veux dire, on aurait dû commencer à agir il y a 20 ans déjà, quand il était encore temps, quand il y avait les premiers signes alarmants. Je veux dire, aujourd'hui il y a des gens qui passent encore le permis, qui privilégient l'argent à l'environnement, mais est-ce qu'il vous sert encore à quelque chose votre argent aujourd'hui? Il vous est encore utile? Vous avez préféré le confort de vie à la vie et voilà où on en est maintenant. Alors, on le fait votre procès ?